eux tous. Le design au service des réfugiés maliens. Au Burkina Faso, depuis plusieurs semaines, des réfugiés Touaregs travaillent avec des designers français autour de créations qu'ils ont imaginées. Le projet s'appelle Design for Peace, pour la paix. L'objectif est de permettre aux réfugiés de gagner leur autonomie financière. Fanny Noiro. C'est sous cette paillote aménagée de quelques nattes qu'a été installé l'atelier temporaire. 17 artisans Touareg et 6 designers s'affairent. Broderie, ponçage, façonnage du cuir, il ne reste plus que quelques jours pour finir. Lampes, sacs, vases et autres, des modèles imaginés et conçus en duo. Le gros avantage qu'on a avec les artisans Touareg, c'est leur incroyable capacité d'adaptation. On a fait un exercice avec des images, ils ont vu des objets qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Et tout de suite, on sent qu'il y a du répondant, il y a une envie de retranscrire ce qu'ils viennent de voir avec leur savoir-faire. Pour Oumar, c'est l'occasion d'acquérir de nouvelles techniques. L'artisanat constitue l'une de ses maigres sources de revenus au camp de réfugiés où il vit. On est vraiment content avec des objets. La formation là, il donne beaucoup d'idées. Ça fourmille quoi. Le tout après, c'est de le retranscrire dans un objet qui va pouvoir être concrètement vendu sur le marché quoi. Ça va marcher. Ça va marcher. Oui. Ça peut que marcher. Ça va marcher. Design for Peace est né d'une collaboration entre le Haut Commissariat pour les Réfugiés et Africatis, une association œuvrant pour le développement de l'artisanat textile en Afrique de l'Ouest. Faire de l'artisanat un levier de développement économique, un levier d'insertion pour ces populations, puisqu'on est face à des populations réfugiées qui ont peu de perspectives de retour immédiat dans leur pays d'accueil. Et du coup, il est primordial de sortir de la seule aide humanitaire pour aller vraiment sur une transition qui permettra aux populations réfugiées de s'insérer durablement dans leur pays d'accueil et de pouvoir participer aussi à la richesse de ce pays d'accueil. Les prototypes seront exposés au Burkina Faso et en France. L'idée, c'est d'ensuite pouvoir créer une ligne de produits afin de viser un marché international haut de gamme.